Un échauffement vocal spécial justesse. J'ai pris mon piano, on va pouvoir tout de suite passer au travail. Moi, c'est Antoine, je suis coach vocal. Je forme des coachs vocaux et ce sont des exercices que je leur transmets pour qu'ils puissent les faire avec leurs élèves. Alors, que tu sois débutant ou avancé, cet exercice, il va vraiment pouvoir t'aider. Si tu es débutant, peut-être que tu vas galérer un petit peu au début pour retenir l'exercice, d'accord? Mais d'où l'intérêt de revisionner plusieurs fois cette vidéo. Si tu es avancé, ça va clairement t'aider à développer ta dextérité vocale. On parle de justesse, tu vas voir qu'on va utiliser une petite mélodie qui nous oblige à faire des petits croisements comme ça au niveau des notes. Et ça va nous intéresser parce que ça va nous permettre de développer de la précision. Alors, ceci étant dit, il faut qu'on apprenne la mélodie de l'exercice qui nous fait. Voilà, c'est pas plus long que ça, mais il faut quand même la retenir. Donc ça va faire la 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 la. On fait déjà que le début, cette montée. Et la 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 la. Donc ça c'est la partie première partie. Encore. La 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 la. Si je te le représente en marche d'escalier, ça s'entrecroise, ça fait la 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 la. Il y a le même intervalle comme ça, d'accord, entre les notes, et simplement ça s'intercale. La descente, ça va faire donc la 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 la, avec le petit demi-ton à la fin qui fait plaisir. On le refait en la la la. La 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 la. Encore une fois. La 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 la. Cool. À ce stade, maintenant, tu dois avoir mémorisé la mélodie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se le faire en ou. Je vais faire ou. C'est le but de l'exercice, ok? Donc on est parti, je ne vais pas y aller trop vite. Et on continue. On fait bien beau, hein? Entre les notes. Le dernier avant de redescendre. On redescend. On reste bien concentré. Ok, alors cet exercice il est vraiment super intéressant parce que c'est entrelacé. Ce que je vais faire, c'est que là, il est possible que quand je chante par-dessus, d'accord, ça te perturbe d'avoir un son de voix qui n'est pas le même que le tien. Donc ce que je te propose, c'est que je vais te le rejouer. Je vais essayer parce que tu as vu, des fois je me plante, je ne suis pas vraiment pianiste. Mais je vais te le rejouer de manière à ce que tu puisses t'entraîner tout seul, lentement. On est parti.
Cool. Une fois que tu as fait ça, eh ben, tu peux chanter derrière, d'accord? Et puis voir, voilà, si tu te sens confortable quand tu chantes. Ça va être un travail de fond, d'accord, ce petit exercice. Pour celles et ceux qui voudront aller plus loin, il faudra le faire à cette vitesse-là. D'accord? Il faudra que tu puisses le bosser à cette vitesse-là. Ce que je vais faire, c'est que je te propose de télécharger, de t'envoyer les fichiers audio de ces exercices-là, d'accord? Comme ça, tu vas pouvoir les travailler au calme chez toi sans être obligé de te connecter sur Internet. Donc, sous cette vidéo, tu vas trouver un lien ou à la fin, tu vas trouver un lien, tu peux cliquer dessus et tu laisses ton adresse email et tu vas recevoir le lien pour télécharger ces vocalises-là, d'accord? Tu auras une version normale et une version accélérée. Comme ça, tu pourras t'entraîner tranquillement en mettant ça dans ta voiture, dans ton téléphone, dans ton ordinateur. Pas besoin forcément d'avoir de connexion. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Et d'ici là, eh bien, prends bien soin de ta voix. Ciao!